Les artériopathies oblétérantes des membres inférieurs, l'AOMI. L'AOMI, c'est l'obstruction partielle ou totale d'une ou plusieurs artères destinées aux membres inférieurs. Cette occlusion est responsable d'une inadéquation entre la consommation et les apports en oxygène, parce que les artères étonnent l'apport de l'oxygène vers tous les organes. Et là, on l'obstruction des, des artères destinées au va, pour vasculariser les membres inférieurs, la jambe, la cuisse. Donc, cette obstruction, l'obstruction Donc, là, de l'oxygène yonkose. L'oxygène yonkose, donc, c'est l'ischémie. L'ischémie donne une époxy musculaire. L'époxy, c'est la diminution, Donc, le, les muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène pour le fonctionnement de la C'est la définition de l'époxy musculaire. Où le muscle passe vers le métabolisme anaérobie. Anaérobie, c'est pas d'oxygène. Donc, le métabolisme anaérobie. Le métabolisme anaérobie transforme le péruvate par fermentation en acide lactique. L'accumulation de l'acide lactique est responsable de l'apparition de la douleur. Donc, le symptôme, le maître symptôme des anomies, c'est la douleur au niveau soif, cuisse, jambes, selon le siège de l'obstruction. C'est l'artériopathie oblétérante des membres inférieurs. Cliniquement, le code des douleurs. En général, l'obstruction est un mécanisme progressif de l'hygiène. Une circulation collatérale va se développer. Ou le développement de la circulation collatérale est favorisé par la marche. Les étiologies latérales. Premièrement, dans la latérale, c'est l'étiologie la plus fréquente. 90% des anomies sont dues à une obstruction par une plaque d'athérosclérose. On a des facteurs de risque d'athérosclérose non modifiables, l'âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin et les antécédents personnels et familiaux de maladies vasculaires. Maintenant, des facteurs de risque modifiables, les hommes, tabagisme, diabète, HTA, dyslipidémie, on a dit on on sur les facteurs de risque modifiables. C'est l'étiologie la plus fréquente, 90%. Et les artères les, artériopathies les délinas des membres inférieurs l'ont mis. Deuxième cause, c'est la média calcalose. Elle est quasiment toujours associée au diabète. C'est une classification au niveau de la média. Donc, il a une rétrécissement, il a de la classification, il y a un rétrécissement du calibre de l'artère qui touche essentiellement les artères distales. D'autres étiologies d'artériopathie, non-athéromatose d'autres d'origine non-athérosclerose, comme la maladie de, de Takayasu, arthrite radique, des causes infectieuses, maladies dégénératives, maladies du système et des causes congénitales. Maintenant pour la clinique, pour les symptômes, je vois la classification de l'Eurige et Fontaine. Pour le stade 1, pas de symptômes cliniques, mais qu'on a, une évolution d'un ou de plusieurs poux. Le poux les artères et qu'on aboli selon le siège ta la l'obstruction donc alors le stade 1 pas de symptômes cliniques le pouls va être aboli à le stade 1 pas de clinique le stade 2 avec l'éducation intermittente d'effort donc lors de l'effort au repos couché repos pas de douleur est de la douleur crampe elle est provoquée par l'effort et selon le Périmètre de marche. On classe est le stade 2 en stade 2A et stade 2B. Pour le stade 2A, le patient, la, elle la douleur, elle est provoquée lorsqu'il marche au-delà de 200 mètres. C'est le stade 2A. Sinon, s'il si ressentait la douleur avant qu'il atteigne le 200 mètres, donc c'est le stade 2B, qui compte le périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Le stade 3, la douleur c'est une douleur de décubétus ou de repos donc le stade 3, a de la douleur au repos le patient ressentit a de la douleur au repos comme je m'en ma drôle le patient pour calmer la douleur il est la position d'éclips des membres inférieurs parce qu'il ne supporte pas la position couchée lorsqu'on examine le malade on trouve un œdème érythrose et des signes de chaussettes signes de chaussettes le stade 4 Maintenant, le stade, c'est le stade de trouble trophique, une nécrose, trouble trophique parce qu'on a une ischémie. C'est le stade 4. Donc, il y a la classification de le riche et Fontaine. Maintenant, tu vois un petit rappel sur la vascularisation du membre inférieur. Tout d'abord, on a l'aorte la abdominale. L'aorte abdominale, a y a la naissance. De la vascularisation des membres inférieurs. L'artère abdominale. la naissance l'artère euh, abdominale t'atteint la naissance. Aux deux artères iliaques communes, droite et gauche. L'artère iliaque commune se sub -di, subdivise en deux artères artère iliaque externe et artère iliaque interne. L'artère iliaque Externe se poursuit par l'artère fémorale. L'artère fémorale superficielle on a l'artère fémorale profonde. L'artère fémorale se vascularise la région de la cuisse. L'artère fémorale prend naissance au-dessus au du ligament inguinal. C'est l'artère fémorale pour la région de la cuisse. L'artère fémorale donne naissance à l'artère poplitée Puis l'artère poplitée il y a une naissance artère tibiale antérieure pour la région antérieure de la jambe. Maintenant, l'artère tibiale postérieure pour la région postérieure de la jambe. L'artère tibiale antérieure donne naissance à l'artère pédieuse. pédieuse pour la région dorsale du pied ou l'artère plantaire. Prend naissance de l'artère tibiale postérieure et de l'artère plantaire, si pour vasculariser la région plantaire du pied. Le syndrome de Leriche, c'est l'occlusion de carrefour aortique. La ça a une occlusion. Responsable de l'abolition des deux peaux. Donc, le syndrome de l'Euriche a une obstruction. Obstruction de l'aorte abdominale. Donc ici, le siège de l'obstruction, c'est au niveau de l'aorte abdominale. Donc, on a une des deux peaux, des deux côtés. Sinon, il y a une obstruction de donc le, le côté contre le peau, on a une caïne. L'abolition des deux peaux c'est une obstruction au niveau de l'aorte abdominale. Alors, le syndrome de Leriche, Le syndrome de Leriche c'est l'occlusion... Le carrefour aortique, responsable de l'abolition des deux poux fémoraux. Et chez l'homme, on retrouve aussi une impuissance sexuelle. Et lors de l'examen clinique, il y a eu la palpation et l'auscultation de tous les trajets artériels de façon bilatérale comparative. L'examen clinique bilatéral comparatif. L'auscultation de l'artère fémorale, si on retrouve un souffle, ça traduit la sténose de l'artère. Parce qu'en l'état normal, pas de souffle. Pour la palpation pour le pouf fémoral, on palpe au niveau du triangle du scarpa, pour le pouf fémoral. poupe poplité au niveau du creux poplité. Pou tibial postérieur est palpé derrière la malléole interne au niveau de la cheville. Pour le pot pédieux, il est palpé derrière la face dorsale du pied en regard du deuxième rayon. Pour les explorations fonctionnelles, les explorations fonctionnelles vasculaires, les explorations morphologiques. Les explorations fonctionnelles vasculaires, le calcul de l'index de pression systolique, l'IPS, l'épreuve de l'effort sur tapis roulant pour déterminer le stade, pour le stade 2, le périmètre de marche, et quand de A ou deux B, maintenant le mesure de la pression transcutanée en oxygène pour les explorations morphologiques on a le cotomplaire on joue TDM on joue IRM et l'artériographie